Il va se pisser dessus, voilà. Je dois pisser, tu comprends pas? Il chiale pour changer. Ah bah ça va, maman elle revient pile pour le bain. Et puis elle a même pas nettoyé le truc. J'ai gagné 535. Mais on les garde, c'est bien. On va faire une petite sieste. Et voilà, il se relève pour hurler. Ah punaise, alors ouais. Oh putain, je suis obligée de lui apprendre des trucs. On va réveille-toi. Oh là là. On va apprendre à marcher. Hey! C'est pas compliqué, non? Tu te mets sur tes deux pattes arrière? Ok. Tu lui as pas du tout appris à marcher, on est d'accord. Elle se fout de ma gueule, hein, Shirley. Depuis le départ, elle se fout de ma gueule, en fait. Allez, lève-toi et marche. Il est nul, ton fils! Alors, qu'est-ce que c'est drôle, il fait même pas un effort. C'est bon, vous avez traversé tout l'appart? Enfin, la maison. Bon, tu marches, oui! Oh! Mais il apprend que dalle, en fait, là! Sa barre, là, elle n'avance pas. En fait, il fait aucun effort, du coup, bah, il apprendra jamais, en fait. Bah, il tient debout. Ça y est! Ça y est! Ça y est! Il a enfin marché! Ah. Ah, tu vas me secourir un 100 mètres avant la fin de la journée, hein, je te le dis. Tu vas lui apprendre d'aller au pot parce qu'il sait toujours pas y aller. Je vous jure, je perds espoir là. Ce gosse finir dans les déchets. Mais même pas il essaye en plus! Oh merde! Tu vois pas le temps que tu nous fais perdre aussi? Mets-le au pipi. On a la discopoute? Eh, vous parlez russe ou ukrainien ou un truc comme ça en fait dans les Sims ou. Bon, on a la moitié. Donc il faut le mettre au moins encore 4-5 fois dessus pour que. Mais je crois qu'elle travaille pas. Yes, on va pouvoir. On va pouvoir passer notre temps à faire l'apprentissage. Tu vas pouvoir lui donner Bottle for John. Ah bah elle va nourrir. Ah bah elle a réussi à aller jusqu'au lit, c'est bien. Par contre le gamin, je sais pas comment il va faire pour aller lui-même dans son lit. Bon, Shirley, je suis désolée mais va le foutre au lit, tu verras, tu seras débarrassé après. Non non mais tu vas pas jouer. C'est pas l'heure. Tu disposes et tu retournes te coucher. Cet enfant. Et puis il hurle. Bah, tu vas hurler longtemps, mon petit, hein, parce que là c'est bon. Hein. Pas nous casser les pieds. Ta mère, elle est claquouse. Hein. Hey, elle est, y a que elle pour s'occuper de toi. Allez, tu peux aller au pipi. Tu peux le laisser sortir ton animal. Tu vas nettoyer le pot parce qu'il faut le nettoyer à chaque fois. Au moins dans les Sims 4, on peut faire plusieurs fois dedans. Alors re-entraîner au pot. Ça va, c'est pas chiant en fait. Hein. Non, c'est pas du tout relou. T'as hâte de regarder ta mère nue, toi? Tiens, va jouer. À la limite, on lui fera une petite sœur quand il sera grand. Si elle est encore. Si elle peut encore pondre. Parce que deux comme ça, moi je pourrais pas gérer là dans les Sims. Deux bambins, là je peux pas. Par contre, au niveau du fun, c'est pas ça. Hein. Il va falloir rappeler Morty hein, ou Sanjay. Ou Trevor. Mais bon, à un moment donné, il a rien appris quoi. Il est relou ce gosse aussi. Moi j'essaye, hein, il est très lent à la détente. Hein. Il a pas été fini normal. En même temps, on l'a fait dans le jacuzzi. Donc je pense qu'il y a eu de l'eau dans la tête. Hein. Il y a de l'eau qui est passée dans le cerveau. Alors, tu vas arrêter avec ton jeu. Maman, elle va t'apprendre encore à marcher. J'espère au moins finir ce truc. Hein. On est qu'à la moitié. C'est super long. On va jamais y arriver. Oshnobuchi. Allez, c'est bon, là. Il reste un quart. Hein. Oh oui. Oh oui. Oh oui, oui. Oh, ça a augmenté d'un coup. Regardez, je crois qu'on va réussir à avoir un point en marche. Oh, c'est merveilleux. Oh, ça a monté encore.
Allez, encore une dernière fois où il fait 2-3 pas et c'est bon. Allez, Jean! On est à fond. Ah là 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 là, regardez, 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 regardez. Une dernière... Allez, si tu fais un pas. Oui! On a réussi à le faire marcher! Regardez sa jauge, elle est toute blanche. Et il a faim et il est fatigué. Bah oui, bah tu m'étonnes. Oui, Nonebou, bah écoute. Oui, tu vas le coucher après et tu pourras danser ce que tu veux. Oui, Nagabou. Bah écoute, mais la musique. Tu vois, Smosso. Ah, c'est ça, le Smosso? Oh, et elle bouge bien son boule, elle aussi, hein. Oh la vache. C'est quoi cette danse? Oh non, elle encore... Ça, c'est Thriller! Elle fait du Thriller! J'en reviens pas! Elle a... Ça, c'était Thriller! Ils avaient intégré les pas de ce Thriller... Dans... Là! Mais non! Bah, au moins, c'est mieux que les danses dans les Sims 4. Allez, tous ensemble. Wouhou. 2020, la danse de l'été. Voilà, ça lui a remonté son fun. C'est avec ton gosse, il va bientôt se mettre à hurler. Là, t'auras plus de vie. Hein. Et voilà, il s'est réveillé. Et attention, mandibulon. Mandibulaire, voilà, la mandibule. Le gamin à mandibule. Quel bonheur. Ah, c'est dedans. Mais moi j'avais fait une famille immondie, ça s'appelait comme ça. Et j'avais fait en sorte que, genre, l'homme était tout maigre avec les joues très très creuses, mais des très très gros yeux et un très gros pif et tout. Et sa femme, et c'était contraire, elle avait des minuscules yeux, un minuscule nez, une minuscule bouche, elle avait des très grosses joues, elle était très enveloppée, et j'avais fait faire des gosses. Mais écoutez, les gamins, ils étaient tellement moches, en fait ils avaient les joues creusées, il y avait les dents qui sortaient, mais en permanence, comme ça, des joues, c'était magnifique. Avec un peu de chance, on va pouvoir finir de lui apprendre le pot, comme ça il grandira super bien. On aura galéré quand même, hein, mais... Allez, Jon! Jon, on est avec toi! Qu'est-ce que t'es moche? Allez, est-ce qu'il va finir d'apprendre? Oui! Oui, regardez cette jauge! Oui! Oui! Le pot est acquis! Il est à moi! Par contre, elle est pauvre. Oh, va prendre une douche. Ah, les fesses de maman! Oh là là, dans 24 heures il grandit à 6 heures du soir. Il est temps de faire de préparer une fête avec un gâteau d'anniversaire. Je sais plus comment on fait les gâteaux d'anniversaire. On est obligé de les acheter, je crois, non? On va devoir faire une fête d'anniversaire. Mais oui, mais je crois qu'elle bosse, non? Ce serait bien qu'elle bosse pas. Elle bosse pas. Ah, quel bonheur. Travaille la mécanique. I'm not in the mood. Elle est pas d'humeur. Non mais oui, je vois bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Faim et bladeur. Drink. Espèce d'alcoolique. Ah bah, mais Shirley! Parti se coucher à 20 heures, même pas 22h. Il peut aller pisser? Putain, il peut toujours pas aller pisser tout seul? Oh, il marche! C'est Jésus. Il marche, notre gosse marche, regardez! Allez, hop, tu le fous au lit. On veut rien savoir, tu le fous au lit. Tu vas servir le dîner. Spaghetti! Oh merde, y a plus rien. Oh, il faut restock le truc là. Oh, bah, mange tes céréales. Tu vas voir qu'elle aura même pas le temps d'aller se coucher, que le gamin il va déjà se réveiller. Et hop, dodo. La mandibule. La mandibule! Ah, oh, mon dieu. Le bonheur d'être parent. Bah, ce sera la prochaine fois, John, hein, qu'on s'occupera de toi. Allez, la mandibule.